Alors ici c'est l'atelier de l'artiste avec la couleur qui attire le soleil et les rayons de chez Bézard. Bonjour. Et celle que vous voyez en jaune là, ça s'appelle la femme d'hibou. La femme d'hibou. La femme hibou. Et là je vais contraster du rose en dessous. Alors les cheveux, c'est comme les dentelles, avec mon pinceau, je tourne en rond. Voilà. Je tourne en rond la peinture, je l'estampe et après voilà. Et un petit peu de couleur chaude, du bleu avec un peu de jaune. Changer un petit peu, hein. On va mettre ça. Attends, je cherche. Un petit peu de rose. Voilà. Du rose. C'est comme c'est une femme, on va mettre du rose. Rose bonbon. Rose bonbon. Avec le rose, on peut faire d'un bon orange aussi. Très joli orange. Gauche droite. Du rouge. Comme la frontière rouge. Hop. Comme la frontière rouge. Donc ça c'est du lin, hein. Des années 30, ça consomme beaucoup de peinture, donc ça va, c'est assez chaud. Patient. Hop là. Pour couvrir ses poitrines, hein, parce qu'il fait chaud. Hein, hein. Hop là. Avec la queue, on fait tout. Hop là, hop, ça c'est un livre. Voilà. Ça change la couleur. Bonjour, jeune fille. Bonjour, monsieur. Ah oui, j'ai complètement. Ouais, complètement. Ben moi, la vie tranquille. Ça va bien. Et vous? Bonjour. Accueil, hein, ouais, vous êtes tout le temps ici, vous, tous les jours? Toujours, oui. Ah ouais, depuis combien de temps? Sept, huit ans, je suis là. Et tous les jours ici? Oui. Cool, super. Et vous peignez Jusqu'à temps, je pourrais peindre le ciel. Ah oui? Bah, le ciel, vous pouvez le peindre tous les jours. Bah, hein. Je parle avec les nuages, des fois, de temps en temps. Les nuages, oui. Pour moi, c'est symbolique, les nuages. Complètement, oui. Et puis quand il y a du soleil, ben les rayons ils font sécher mes couleurs. Moi avec. J'imagine bien. Eh oui, et puis n'oubliez pas, je suis très poétique, mademoiselle. Oui. N'oubliez pas, touchez-moi une couleur. C'est un bon moment de toucher une couleur. Touchez une couleur. N'oubliez pas que la couleur soignera toujours la douleur. Ah, c'est joli. C'est vous... ça l'art. Je suis d'accord avec vous. Ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et encore plus, moi, je dirais plus que. Les couleurs viennent du ciel. Tu peux me faire un bisou? Non, peut-être pas.
Oh. T'es non, pas... sur la peinture. Hein. Non, non, c'est ça. Non, non, j'ai bien compris, là, non. Tu veux une petite non. mandarine, ma souris? Non, c'est gentil, c'est cool. Je vais nous boire un petit verre de jus d'orange. C'est bien orange, toi. Ouais, là, ça fait du bien avec ce froid, là, non? Mais t'as bu quoi? Du jus d'orange de peinture ou du jus d'orange? Du jus d'orange, oui. Du jus d'orange. Je vois qu'on est filmé, en plus, on est surveillé. Et vous êtes d'où, ma chérie? Moi, je suis française, d'origine algérienne. Mais c'est où, la France? C'est là. Je suis née pas très loin, je suis à Paris, je suis née à Paris, à 4e. Non, d'Oran. Ah bah, je connais Oran. Voilà, tout simplement. Le pays des oranges. Le pays des oranges et de la bonne humeur et du rail. Voilà. Et je les plages. Un petit peu. Vous savez compter ça combien? En arabe? Non. Je pas en arabe. Les plages. Hein? Les plages sont jolies. Elles sont jolies, ouais, moi ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais elles sont très belles. Je vais parce que maintenant les filles commencent à être avec maillot de bain. Ah non, c'est interdit là-bas. Non, c'est pas interdit. Ah si. Ah Michel. Oui, mais moi je suis pas là avec la jeune fille, mais je t'ai pas dit, je t'ai pas appelé moi. À Oran? Non, c'est pas interdit à Oran, elles vivent mieux qu'à Paris à Oran. Elles font encore pire. Je sais pas où ça se trouve Oran. Non, mais je connais pas moi. Mais c'est en Amérique. Mais c'est en Amérique. Non, c'est en Alger. Oh, mais c'est. Oui, c'est en Amérique, c'est joliment dit, ouais. Et pourquoi on appelle Alger? Qu'on appelle Alger, je sais pas, tiens, allez-y, séance culture là, non, allez, non, on y va. Comment on vous écoute. Alger s'appelait pas Alger, Alger s'appelait. Ça s'appelait le Petit Paris à la base. Je confonds, je dis n'importe quoi. Alger, le Puni. Oui. La Puni. Ah ouais, ça veut dire ça? Ah oui. Ah bah, c'est donc. Qui a inventé Paris? Je sais pas. C'est les Bering. C'est qui? Bering. Ah oui? En 1845, et Paris n'existait pas. Ah oui, là. Oui, les tour Eiffel, mais ça, c'est pas une tour Eiffel, c'était un échafaudage que vous voyez là. Bah oui, quand on regarde, c'est cool du béton là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. C'est un échafaudage. Normalement, elle devait pas arriver à Paris, la tour Eiffel. Elle devait aller où? Montreux-Grade, c'est la bonne défendre de Paris. Voilà, ouais, bon, vous avez pas vu du jus d'orange, assez sûr. Hein. Allez, messieurs. Non, je vous embrasse pas, mais je vous envoie un bisou comme ça. Oh, Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, mais attrapez-le. Merci bien. Il peut avoir les meilleures raisons que moi. Elle était marrante, cette c'est comme ça et c'est pas autrement. Ah, ça change un peu. Un petit peu de blanc. It's like I had literally traveling home, you know what I mean? On va mettre un petit peu de blanc.